chouette. Aujourd'hui, l'équipe Super Zoo a organisé une course à vélo. Waouh, c'est un parcours trépidant. Quoi? Que fait le docteur Spooky par ici? Il a peut-être des projets lui aussi. Mais qu'il est lourd! Il veut faire la course avec son vaisseau. Quel tricheur et quel frimeur! Heureusement que Cathy a toujours de bonnes idées. Voyons si Kit peut nous aider à battre le Dr. Spooky. Pas bête. On peut utiliser les énergies renouvelables pour que les vélos aillent plus vite. Tu vas voir, Dr. Spooky. Le vent et le soleil sont de notre côté. L'équipe Super Zoo va avoir de super vélos. Qu'ils sont chouettes. Et pour Cathy, une super pomme pour prendre des forces. Ça suffira pour gagner la course. Aux capsules de transformation. Cathy. Kangou. L'équipe Super Zoo est arrivée, Dr. Spooky. Tu vas regretter de les avoir défiés. À vos marques, prêts? Le Dr. Spooky est parti avant tout le monde! Je vous avais bien dit que c'était un tricheur! Attention, Monkey! Quelle puissance! Aïe! Il faut que le soleil se lève pour que ses rayons pleins d'énergie rechargent le vélo de Kangou! Soleil, mon joli soleil, lève-toi, c'est l'heure. Youpi! Les rayons de soleil dans toute leur splendeur. À fond les manettes! Allez Cathy, c'est le moment de tout donner et de pédaler à fond. Ce nuage de fumée va empêcher l'équipe Super Zoo de bien voir la route. Tiens bon, Monkey. Les amis sont toujours là pour donner un coup de main. Cathy va vraiment très vite. On dirait qu'elle va dépasser le Dr. Spooky. Quoi? Un trampoline? Oh, je ne m'y attendais pas du tout. Allez les amis, on continue. C'est ça les Spookers. Oust! Quoi? Mais oui! Si les rayons du soleil n'atteignent pas le vélo de Kangou, il n'ira pas très vite. Le Dr. Spooky va gagner la course grâce à ses tricheries. Qu'est-ce que Kangou dessine? Quelle idée de génie! Avec ses miroirs, il va dévier les rayons du soleil pour qu'ils illuminent les panneaux solaires. Surprise, Dr. Spooky. Impossible de le rattraper.
à moins qu'il n'ait plus d'essence. C'est ça. À plus, Minus. Et c'est l'équipe Super Zoo qui gagne la course. Bravo! C'est une récompense bien méritée. Non mais je rêve, ils sont vraiment ridicules. À la prochaine, ou pas? Joyeux Noël! Venez tous dans le salon, c'est l'heure d'ouvrir les cadeaux. C'est Kongo qui commence. À ton tour, Kit. Que peut être le cadeau de Cathy? Et voilà le tien, mon Kit. Oui! Vous n'allez pas avoir froid cet hiver. Mais il reste le plus gros des cadeaux à ouvrir. Quel super cadeau! J'adore! Et là là, pas si vite! Avant d'aller jouer, il faut bien se couvrir. Voilà. Et maintenant, profitez de la neige. Wow. Comme c'est amusant. Une minute, les enfants. Regardez derrière vous. Une énorme boule de neige est à vos trousses. Et oui, c'est le Dr Spooky qui l'a lancé. Et oui. Vous glissez tout droit vers un gouffre. Mais quand vous, un plan. Pile au bon endroit. La chute idéale. Et boule, roule, roule. Dans le mille. On dirait un bonhomme de neige. Regardez comme il est content. Il est mignon. Il a même un nez et tout. Un jour, on te donnera une bonne leçon, Dr Spooky. Let's clean up the beach and don't forget to recycle the trash. Let's recycle the trash.
Mexico. Let's recycle the trash. The metal goes in the metal bin. The metal goes in the metal bin. The metal goes in the metal bin. Let's recycle the trash. La mer s'assèche. Regardez là-bas, c'est le robot du Dr. Spooky. Allons prévenir les sirènes. Les sirènes, vous n'allez pas croire ce qu'on... Ah, vous êtes au courant à ce que je vois. Pourquoi es-tu si méchant, Dr. Spooky? Il faut faire quelque chose, équipe Super Zoo. Voilà le robot. Si on desserre ce boulon, son sac à dos s'ouvrira et l'eau coulera dans l'océan de nouveau. Génial! Aux capsules de transformation! Kangou. On va rendre son eau à la mer, Spooky. Tiens-toi prêt. Quelle bonne idée, Monkey. C'est vraiment très haut, dites donc. Mais il est déterminé, il se prépare, il prend de l'élan. Beaucoup d'élan. Et il s'envole. Bien visé. Régale-nous avec un de tes dessins, Kangou. Quelle super idée! Un outil pour desserrer le boulon. Allez, Kangou! C'est ça! Très bien! Oh non! À quoi il sert ce bouton? Attention, Monkey! Non! Mets les bouchées doubles, Kangou! Ça y est! Tu as réussi, Kangou! Au revoir, Dr. Spooky. Mais où est Monkey?
Tiens, le voilà. On dirait qu'il s'est fait un nouveau copain. Et voilà Kangoo. Vous revoilà, nos amis les sirènes. On est ravis que vous soyez saines et sauves. La mer est de nouveau superbe. Vous pouvez reprendre votre partie de cartes. Mais ne trichez pas, hein? Il faut toujours être bon joueur. Toujours être bon joueur. Prends-en de la graine, Dr. Spooky. Monkey ramasse les déchets dans l'espace. Waouh! Tout est vraiment très propre. Pour en finir avec le nettoyage, Monkey jette les déchets dans un trou noir. Parfait. Oh, une minute. Une peau de banane? Non, tout est rempli de déchets à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Là, le Dr. Spooky. Pourquoi il jette des déchets dans cette machine? Il les lance et un mignon les envoie dans l'espace à coups de batte. Alors c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des déchets partout, Monkey. Retournons sur la Terre. Il faut trouver une solution. Dis-toi. Hein? Ce n'est pas bien de polluer la Terre et l'espace, petit. Tu mérites une bonne punition. Tu n'y échapperas pas non plus, Dr. Spooky. Comme ça, vous apprendrez à respecter l'environnement sur la Terre et aussi dans l'espace. Bienvenue à la Minute d'apprentissage de Kit. Aujourd'hui, on va en apprendre plus sur la déforestation. La déforestation, c'est la disparition des plantes. Les arbres sont les boucliers qui empêchent la pollution d'atteindre l'atmosphère. Malheureusement, les niveaux de pollution ne cessent d'augmenter et il y a de moins en moins d'arbres. Sans les arbres, les rayons du soleil ne rebondiraient pas, ils resteraient coincés sur la Terre. C'est pour ça que les températures n'arrêtent pas d'augmenter. Et en plus, la pollution nous rend malades. Et à cause de la disparition des arbres, beaucoup d'êtres vivants perdent leur maison. Mais il n'est pas encore trop tard. Comment peut-on en finir avec la déforestation? En plantant des arbres, en ramassant tous nos déchets pour éviter que les arbres ne tombent malades, en apprenant à aimer la nature et en encourageant tous nos amis à en faire de même. Sauvons l'environnement ensemble. Bienvenue à la Minute d'apprentissage de Kit. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle façon d'aider l'écosystème. On se lave les dents tous les jours. On devrait, du moins. Et quand on se lave les dents, on laisse le robinet ouvert. On gaspille des litres et des litres d'eau pour rien. Voici une astuce. Fermez le robinet, c'est un geste très simple qui permet de rendre le monde meilleur et plus durable. C'est ça les enfants. Génial! C'est en faisant des petits changements dans notre quotidien qu'on aidera notre planète. Sauvons l'environnement ensemble. Quelle belle journée. Les fleurs admirent gaiement le soleil et de superbes papillons se posent sur elles. Quoi? Une minute? Pourquoi tout devient soudain gris? D'où vient toute cette fumée? Oh, regarde en haut, petit papillon. Tout est pollué. Voici nos amis de l'équipe Super Zoo. Ah ah, je m'en doutais. C'est bien l'œuvre du méchant Dr. Spooky.
Il est là, ce vilain bonhomme. Allez, on descend au laboratoire. Il faut trouver une solution. Kit, voyons ce que propose ton super ordinateur. Je crois que je vois où tu veux en venir. Il faut boucher le pot d'échappement du vaisseau. C'est comme ça que le nuage de fumée disparaîtra. Quelle super idée! Aux capsules de transformation. Monkey. Cathy. Une minute. Vous devez vous protéger. La pollution ne vous atteindra pas dans cette bulle. Ça y est. Équipe Super Zoom. Ah ah. Voici le vaisseau du Dr. Spooky. Il a même des pop-corns pour observer son horrible spectacle. Attrapez-le. Oh oh, le Dr. Spooky libère ses mignons. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Cathy? Jeter les pièces en bois sur les mignons? Quelle bonne idée! Oui, on l'a réussi! Récapitulons. Il faut boucher le pot d'échappement avec une des pièces de bois. Parfait. Monkey lance Cathy vers le vaisseau du Dr. Spooky. Et Cathy atterrit après un superbe lancer pile sur le pot d'échappement. Mission accomplie. Ah ah, Dr. Spooky. T'as les prix qu'il croyait prendre. Bon vent, vilain monsieur. Mais il reste encore un petit détail. Allez, Granny, utilise ta magie. Les bulles magiques de grand-mère Granny dissolvent la pollution. C'est fait, Eric. La nature est de nouveau pleine de vie, comme elle doit être. Fais-nous une bulle géante, Monkey. À la prochaine, Dr. Spooky.